Virginie Vartagnan, vous êtes experte en nutrition et vous publiez aux éditions Alpen « Découvrez les vertus du persil ». Alors, on dit, on sait qu'une des vertus essentielles du persil, eh bien, c'est son rôle sur la digestion. Oui, effectivement, le persil améliore la digestion de par sa forte teneur en enzymes qui soulage les ballonnements, les gaz intestinaux, les coliques. Et le persil aussi permet d'éliminer les toxines que l'organisme accumule, en fait. Et l'idéal après un repas festif est de consommer une infusion à base de feuilles de persil. Mais sachez que le persil a d'autres vertus. C'est un bon anti-inflammatoire, une aide au déséquilibre hormonaux et un régulateur rénal. Mais alors, il paraîtrait également que le persil aide à faire maigrir. Ah oui, c'est un vrai partenaire minceur, le persil. Tout d'abord parce qu'il est très peu calorique. Ensuite, il est riche en fibres et ceci permet de réduire le stockage des graisses et de ressentir une satiété durable. Il a aussi une forte teneur en potassium qui a un rôle diurétique et qui permet d'éliminer et de réduire la cellulite. Donc pendant un régime alimentaire, il est conseillé de le consommer plutôt sous forme de jus, en le hachant et en le mélangeant avec du citron et de l'eau. Vous pouvez après le boire à jeun le matin ou bien tout au long de la journée. Et enfin, il paraîtrait que le persil tient un rôle dans la prévention contre les AVC et contre certains cancers. Effectivement, il paraîtrait que les antioxydants qui sont contenus dans le persil, tels que la pygénine, auraient un rôle pour réduire en fait les dégâts causés par les radicaux libres sur l'organisme. Donc ça préviendrait des risques d'AVC. Et puis certaines études américaines ont prouvé que cette apigénine avait aussi un rôle efficace pour diminuer la propagation des cellules cancéreuses, principalement au niveau des seins, de la peau, du cerveau, du foie, des poumons. Enfin, vous retrouverez toutes ces explications dans mon livre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est fortement conseillé de consommer du persil frais régulièrement.